Bonjour à tous, nous voici sur le studio télé de la 5e édition du Salon des agricultures de Provence et on démarre ces 3 jours de fête avec monsieur Lucien Limousin qui aujourd'hui fait notre Martine Vassal. Vous allez nous expliquer, hein. Martine n'est pas là, mais vous allez pouvoir parler en son nom et puis nous parler de l'agriculture dans notre département. Mais monsieur Limousin est également vice-président du pôle d'équilibre territorial et rural donc le pays d'Arles. Et à ce titre aussi, on va pouvoir parler un petit peu de ce qui se passe sur le pays d'Arles plus précisément. Merci beaucoup, monsieur Limousin, d'être avec nous pour démarrer ces 3 jours de fête. Alors, 5e édition, ce rendez-vous est devenu un grand rendez-vous de l'agriculture provençale. Pour le département, qu'est-ce que ce rendez-vous représente ? Bonjour et merci de votre invitation. Ce salon est à une portée symbolique très forte. Il y a dans l'agriculture, dans le département des Bouches-du-Rhône, une agriculture particulièrement diversifiée et intensive qui fait que nous représentons 4200 exploitations. Le département des Bouches-du-Rhône, c'est 150 000 hectares consacrés à l'agriculture. C'est le tiers pratiquement du département des Bouches-du-Rhône. C'est aussi un chiffre d'affaires de l'ordre de 950 millions d'euros. Donc vous voyez qu'il y a un enjeu économique très fort. Il y a un enjeu social parce que ça représente aussi 20 000 emplois. Et puis il y a un enjeu environnemental parce que l'agriculture sculpte nos paysages. L'agriculture aussi intervient dans la conservation d'une qualité de paysage qui est très forte et aussi donc sur le plan environnemental nous avons l'obligation et c'est un devoir que nous nous fixons aussi de préserver la qualité de vie de nos concitoyens qui passe aussi par une préservation de notre terroir et une obligation aussi d'aider nos agriculteurs. Le département des Bouches-du-Rhône est le seul département en France à consacrer un budget de presque 11 millions d'euros pour soutenir l'agriculture du département. Et je ne serais pas complet si je ne disais pas que le pôle d'équilibre territorial et rural, que je représente aussi, qui est présidé par Michel Pécou, le maire de Graveson, mais ce pôle d'équilibre territorial et rural a aussi une mission sur notre territoire du pays d'Arles, de conseil notamment et de soutien au monde agricole, afin de favoriser toutes les formalités administratives et de répondre aux exigences de la réglementation et des nouvelles lois pour être aussi dans le sens de l'histoire et de veiller à ce que nous ayons une agriculture de qualité et qui réponde à toutes les exigences environnementales. Alors, c'est vrai qu'on est ici sur un salon grand public, donc peut-être expliquer justement comment le département accompagne les agriculteurs. Je sais que vous êtes très souvent là dans les moments les plus difficiles, hein, avec des dispositifs d'aide qui vous permettent de réagir très vite pour faire face aux crises, hein, que traversent nos agriculteurs ou les aléas climatiques. Pouvez-nous dire 2 mots quand même qu'on comprenne comment un département accompagne le monde agricole ? Ah ben là, on a la démonstration aujourd'hui avec ce salon des agricultures de Provence de la mission que s'est imposée le département sous l'impulsion de Martine Vassal, sa présidente. Nous avons la volonté de favoriser la consommation directe et les contacts directs entre les producteurs et les consommateurs. Le département des Bouches-du-Rhône, c'est un département qui a une production très intensive, mais dont 80% de la production est exportée au-delà des limites du département. Il ne reste que 8%. Et nous avons besoin de faire venir des productions de l'extérieur du département pour pouvoir satisfaire à la consommation de la population des Bouches-du-Rhône. Donc notre objectif, à travers un salon comme celui d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte, et le cinquième du nom, c'est de faire en sorte que les circuits courts puissent représenter pour aujourd'hui et pour demain une opportunité pour les agriculteurs et aussi un moyen de lutter contre les friches. Parce que l'agriculture intensive fait en sorte que nous avons besoin de grandes exploitations avec de grandes surfaces. Et lorsque la propriété agricole est morcelée, eh bien, on a des friches. Et le fait de mettre en place une politique au service des circuits courts
permet de reprendre, reconquérir ces friches, espace, ouais. De créer de petites exploitations dont l'objectif principal et unique sera de faire en sorte de vendre et de nourrir la population avec tout simplement des paniers que le consommateur vient chercher directement à la ferme. Et nous avons remis en place aussi une politique qui favorise l'agriculture urbaine, puisque récemment encore avec Martine Vassal sur Marseille, nous avons rendu visite à des exploitants agricoles qui se sont installés dans les quartiers notamment de Sainte-Marthe et où des zones qui étaient prévues à l'urbanisation ont été retirées de cette urbanisation pour être redonnées au monde agricole. Donc l'agriculture urbaine, périurbaine, celle qui est sur l'ensemble de notre territoire, avec un axe fort sur les circuits courts. Donc on est là en plein cœur du sujet, c'est-à-dire le consommateur, l'agriculteur. Là, juste à côté, on pourra aller manger cet après-midi au marché de producteurs. On a la chance d'avoir un territoire qui est quand même particulièrement diversifié en matière d'agriculture. On a l'habitude de dire que chez nous, on fait de l'entrée au dessert en passant par le plat, l'assaisonnement et tout ce qu'il faut. Eh ben, on vous attend ici. Merci beaucoup, monsieur Limousin. Je vous souhaite un excellent salon. À tout à l'heure pour la remise des clés. On va couper le ruban et tout le tralala. Merci encore de votre invitation. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir.